L'information sur LCI, c'est 24 heures sur 24. Drame au large des côtes ibériques. Une embarcation de fortune s'est échouée à 200 mètres de la ville portuaire de Malaga. D'après la Guardia Civile, la barque contenait une centaine de personnes, toutes originaires d'Afrique du Nord. Une seule personne a pu échapper au contrôle de la police maritime et a réussi à atteindre la côte sans être interpellée. Mes chers enfants, c'est pour vous et cette lettre est mon adieu. Je rejoins Dieu, c'est peut-être un jour j'irai vers d'autres cieux insoucieux. Sur ce sillon, j'aurais dû me méfier. J'aurais dû me renseigner sur l'Europe avant d'y mettre les pieds. J'aurais dû rester accroché, lester à mon boulot de bijoutier. J'aurais dû résister, c'est vrai, sans être tenté. J'aurais dû, parce que maintenant c'est trop tard. Parce que maintenant fatigué, parce que maintenant j'ai fini sur le trottoir. Parce que pourquoi je ne me suis pas posé toutes ces questions. Parce qu'avant, vouloir rejoindre l'Espagne éclatait comme un pion. J'étais rêveur, planeur, marié, trois gosses et l'envie de bouger. Je rêvais cet horizon lointain où la monnaie a. C'est pour un voyage sans fin, un voyage sans retour. Retour et flashback dans ma vie sans détour. L'esprit retourné, c'est ma tournée. Je suis détourné, je tourne en rang sans pouvoir me retourner. Sans thune et fortune, j'ai pas fini mon chemin. En fait c'est là que je mesure le fait d'avoir faim. Je rêvais d'Europe, de voiture et de reconnaissance. L'essence même, mon esprit allait dans son sens. J'y pense aujourd'hui parce que j'ai des regrets. La suite de l'histoire vous l'aurez dans le second couplet. Un rêve, une image, un mirage, une utopie. Le revers de la médaille, j'ai oublié ma famille, j'ai délaissé les miens pour un avenir incertain. Constater un univers glacial où je meurs de faim. Un rêve, une image, un mirage, une utopie. Le revers de la médaille, j'ai oublié ma famille. Une vie on en a qu'une et faut la préserver. Pas jouer à modifier le tracé de sa destinée. J'avais juste intérêt de ne pas faire des folies. Malheureusement ici-bas, on a dû m'enterrer. On m'a puni pour avoir commis énormément de méfaits. J'ai abandonné ma famille sans pouvoir leur expliquer que ça fait depuis 30 ans que je voulais quitter le pays. Que je voulais faire la traversée pour enfin toucher du roupie. Depuis 20 ans sont passés, je ne suis pas revenu. C'est pas que je voulais pas, c'est juste que je n'ai pas pu. Je travaillais sur les champs de tomates près de Malaga. Ça suffisait pour que je mange et vous envoie un mandat. Et puis il y a 2 mois de ça, on a tous été licenciés. Simplement parce qu'on avait pas sur nous nos papiers. À gauche à droite on essayait de se débrouiller. Les vitres de voiture, le cirage de chaussures, on mendiait. Chaque mois je continuais à vous envoyer quelque chose. Maintenant je ne peux plus car ici la vie n'est pas si rose. Je bois du noir et je fais un début de sclérose. En plaque et plaqué au pavé, je vous envoie ces proses. La suite vous la connaissez, mes chers enfants. Vous connaîtrez la suite sur le 3e couplet. Un rêve, une image, un mirage, une utopie. Le revers de la médaille, j'ai oublié ma famille. J'ai délaissé les miens pour un avenir incertain. Constater un univers glacial où je meurs de faim. Un rêve, une image, un mirage, une utopie. Le revers de la médaille, j'ai oublié ma famille. Une vie on en a qu'une et faut la préserver. Pas jouer à modifier le tracé de sa destinée. Il me reste quelques minutes avant de vous dire au revoir et vous conseiller de ne pas me rejoindre pour me voir. Prenez soin de votre mère et vivez votre vie pleinement. Ne faites pas comme moi, je vous le conseille vivement. C'est vrai que sur ce coup-là, j'ai pas mal déconné. J'aurais dû mesurer les méfaits avant les regrets. Partir à l'étranger, en laissant ma femme et 3 gosses. Ouais. Un travail où je gagnais bien ma vie, de quoi manger. Dans la modestie, j'ai fini les 2 pieds devant mort. Dans un pays qui n'est pas le mien, qui n'est pas le mien. Vive. On en a qu'une et il faut la préserver. Pas jouer à modifier le tracé de sa destinée. Des méfaits au regret, un stylo, un avenir. Montpellier All Star, loin des yeux, près du cœur. Loin des pleurs et des peurs, loin de l'Afrique où la faim se fait sentir dans les cœurs. Loin de là, j'étais là lorsque j'ai atterri. Atterré, j'étais là de voir mes frères sur le pavé. J'avais juste intérêt de ne pas faire des folies. Malheureusement ici-bas, on a dû m'enterrer. On a dû m'enterrer. J'en appelle à ce pays, surtout à sa volonté de faire changer les choses, j'en appelle à l'unité. Pour mes frères sur le pavé, ils n'ont pas tous mérité d'avoir une tête dessinée, d'avoir une tête dessinée. Ouais. J'en appelle à ce pays, surtout à sa volonté de faire changer les choses, j'en appelle à l'unité. C'est pour les sans-abri, et ce texte est pour eux. Que Dieu les garde et les préserve à travers tous les cieux. J'en appelle à ce...